mosquée qui promeut un islam radical et véhicule une idéologie salafiste, selon la préfecture de la Gironde. Une procédure de fermeture provisoire a été lancée contre la mosquée Al-Farouk de Pessac, en banlieue de Bordeaux, soupçonnée de diffuser une idéologie salafiste, indique la préfète de la Gironde Fabienne Bussiot, dans un communiqué. Une procédure contradictoire a été lancée. Cette mosquée gérée par l'association Rassemblement des musulmans de Pessac, ouverte en 2014 et qui accueille jusqu'à un millier de fidèles. Des prêches et des propos ont régulièrement incité à ne pas respecter les lois de la République, justifier les attentats et valoriser la mort en martyr, détaille la préfecture dans un communiqué. Des propos incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, selon la préfète, l'ensemble de ces faits pourraient constituer des propos, idées, théories ou activités incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination, encourageant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tel acte. Une fermeture provisoire pourrait être prononcée pour une durée maximale de 6 mois. 75 commentaires, 567 partages, partagés sur Messenger, partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur Flipboard, partagés sur Pinterest, partagés sur LinkedIn, envoyés par mail, sauvegarder une faute. Imprimé.